Bonjour, je m'appelle Dominique Verneau, je suis président de l'ODG du Chavignol ou Crottin de Chavignol dans le Berry. Donc dans nos appellations d'origine, dans le Chavignol comme dans toutes les appellations d'origine, tout est transparent. Nous avons un cahier des charges qui est public, qui est écrit et qui est le résultat du travail de l'ensemble du collectif de nos appellations d'origine et qui définit l'ensemble des conditions de production depuis la nourriture des animaux, l'élevage des animaux, jusqu'à la transformation et la mise en commercialisation du produit. Et donc pour authentifier tout ça, nous avons un système de contrôle qui s'appuie et sur une partie de contrôle, dite contrôle interne, qui est effectuée par des intervenants de la filière ou des partenaires de la filière. Et on contrôle l'ensemble des points de production ou du cahier des charges chez une partie de nos adhérents. Et puis une partie de contrôle externe qui s'appuie sur un organisme certificateur avec lequel nous avons passé des conventions. Organisme certificateur qui vient sur place dans les exploitations, dans les fromageries, dans les ateliers d'affinage pour vérifier effectivement que l'ensemble des points de contrôle sont respectés par les opérateurs. Voilà, et derrière tout ça est authentifié derrière sur l'étiquette avec le macaron appellation d'origine protégée de couleurs bien définies jaune et rouge de telle sorte que le consommateur puisse effectivement avoir confiance dans nos produits.